Hop là, re. Hop. Hop. Bon, on a du level up, mec. Ah. Bon, on a Iwai et Oya. Zut, j'ai rien d'autre pour leur échapper, c'est ça? Ça y est, on en arrive à ce moment-là où je n'ai d'autre choix que de faire les SL de Oya et Iwai, c'est ça? Ça y est, ce moment du jeu est arrivé. Attends, juste par curiosité. Et j'ai pas pensé à aller exploiter Kawakami. Ah, donc non, il n'y a pas de nouveau livre. Les fléchettes. Ah, ça va, ça fait... Je t'avoue que ça fait plusieurs fois que j'y joue là aux fléchettes. Ah merde, il y a des clients. Lave les fringues, je les ai tous vendus parce que j'avais pas de fringues récents à faire en fait. Donc justement j'ai tout vendu dans la boutique d'occasion histoire de me faire des points. Tiens, je vais voir s'ils sont refaits du stock, tiens, vu qu'on en parle. Les Monkey Offer the Awakening sont presque tous faits, non? Bah attends, on va voir ça. Ouais. Non, rien. Ah, attends, les Offer the Awakening. Attends, on va dire ça. Alors, il reste Ryuji. Il reste Haru. Il me reste Ryuji et Haru aussi à faire. Yusuke, faut que je termine son SL. Et Sumire, faut que je termine son SL aussi. Oh, il me reste 17 jours. Ah. Ou sinon, je fais un billard pour gagner des points. Si on fait un billard, il y a Sumire qui vient, on est d'accord? On est d'accord que si je fais un billard, il y a Sumire qui vient. Donc je gagne des points auprès de Sumire. Parce que comme ça, ça peut me faire des points de social stat chez Sumire et Yusuke. Comme ça, je suis sûr de pouvoir avancer les deux. Je peux faire ça. Parce que là, pour le coup, Iwai, tout ça, c'est cool. Mais moi, je veux finir avec les membres du groupe, en fait. J'ai envie de voir ta réaction pour Yuji. Bah oui. Ouais, tiens, c'est quoi? On va faire un billard. Et prier qu'il y ait Sumire et Yusuke. Au pire, il n'y aura que Yusuke. Ce qui sera déjà un bon départ. Billard. Bien. Allez, y'a Sumire qui vient, allez. Allez. On va pas la laisser tomber maintenant. Maintenant, elle a du screen time. Yes. Oh là là, ce BG absolu. Oh, ce BG total. Eh, j'avoue que là, pour ce coup, Joker va empiéter sur les plates-bandes de Shan Narukami, hein, quand même. Là, pour le coup, là, y a un duel de flex à faire. Hein. Sumire qui a plus de screen time que Lavenza, j'avoue que là, elle commence à bien se rattraper. Hein. Shan Narukami, je sens une perturbation dans la force. Non, mais j'avoue que là, par contre, le coup qu'il vient de faire Joker, là, par contre, c'était méga BG. Hein, pour le coup, là, il vient de gagner quelques points sur l'échelle du Shad, tu vois. Ah, bah, quand on parlait d'Haru.
Bon bah on a Haruk, de libérer aujourd'hui. Des légumes, bah oui, il faut que je les fasse aussi. Donc ça tombe bien. Oh non. Oh non, ça sent la question. Oh non. Oh non. Oh non. En parlant de choses terribles, Yara, une question pour toi. Quel autre sens peut-on donner à terrible? Alors, t'as terrible, mauvais. Non, il est vraiment terrible. Putain, je dirais impressionnant. Je dirais impressionnant. Ah ouais, terrible. Impressionnant. Let's go! Des enfants terribles. Pardon. 3 habitués à Metal Gear. Bon, alors du coup, il y a Haru qui voulait qu'on aille la voir. Toi. Des notes terribles. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça marche dans les deux sens. Oh non, moi, je veux juste voir les légumes, hein. Ah, c'est plutôt les bonnes carottes. Hop, on va refaire de la tomate. Les bonnes tomates. Quand c'est mort, on dit bien, c'est pas terrible. Oui, c'est ça. Vu qu'elle est dispo aujourd'hui, je vais pas m'en prier parce qu'il me semble pas qu'elle était dispo les autres jours. Putain, cette chambre. Ah ouais, non, là pour le coup, ça a carrément avec. Mais donc, comme je disais avec Futaba, pour moi, si on a bien 3 pour lesquels je leur voudrais jamais, mais genre, il n'y a même pas d'angle d'attaque où je pourrais me permettre de leur reprocher quoi que ce soit, c'est Haru, Makoto, Futaba. Les 3 ont eu la possibilité de voir revivre des êtres perdus dans des rencontres dramatiques. Jamais je leur en voudrais. Ah ouais, elle a une chambre de princesse. Ah ouais, c'est... Oui, c'est un peu le style, ouais.
Best girl. Ah ouais, non, vraiment, je le redis et je le confirme. Ceux qui ont Haru comme waifu, vous avez de très bons goûts. Je le maintiens. Non, non, pas ça. Attends, parce que je crois deviner en fait. Merci alors. Lucie. Ah non, j'imaginais autre chose, mais ok. Elle aussi, elle est un personnage assez contemporain. Alors, enfin, en tout cas en termes de design. Bon alors, je vois la description, et alors... Mur de vie, barrière qui renvoie toutes les attaques pour tous les alliés. Oh boy. Bon alors attends, putain je supprime quoi? Comme c'est pas possible, je faisais la Venza ou Saem, mon choix se porte sur Haru sans hésiter. Ouais non, Scott, mon broken c'est littéralement, bonjour, pour 95 points de compétence, tu rends ton équipe invincible. Alors ouais, par contre c'est presque 100 SP, hein. C'est genre, pour Haru, j'ai pas la stat de SP sous les yeux, mais Haru, à mon avis ça ébouffe au moins un tiers, si ce n'est la moitié de ses SP. Hein. C'est OP pendant un tour, voilà. Bon alors non, ça je garde. Putain, je sais pas quoi les retirer. Mais en fait, Haru, tout est tellement fort, tout m'est utile. J'ai songé au triple action, mais en vrai, même le triple action, des fois, je m'en sers. Il y a des fois où c'est utile. Le Psyodine, je suis obligé de le garder pour la couverture élémentaire. Le tir fatal, même pas en rêve, je le retire. Putain, mais... Est-ce que j'en serais au point de retirer Heat Riser? Est-ce que, genre, Haru a des trucs tellement forts que même Heat Riser mérite d'être sacrifié? Ouais, ça, Embedi est super... Enfin, Heat Riser, c'est super fort. Ambrita Shower, c'est situationnel, mais les moments où j'en ai besoin, ça me sauve la vie. Stimule et ampli arme, vu que Haru elle est là pour faire des dégâts avec ça, c'est nécessaire. Et ça, je vous jure, j'en suis à me dire que les meilleurs trucs à y retirer, c'est ça. Enfin, c'est l'un des deux. Haru elle a tellement de trucs forts. Embelli peut aller sur Joker. Bah Joker, je l'ai déjà embelli, il me semble, avec Joker. Et il est vrai que... Attendez. Il est vrai que j'ai très souvent Makoto avec moi dans le groupe. Enfin, dans l'équipe. J'aurais viré triple action. En vrai, maintenant que j'y pense, Makoto, elle a ça en AOE. Elle a embelli en AOE. En vrai. Ah non, Makoto, c'est le debuff. C'est pas le buff. C'est le debuff qu'elle a, Makoto. Autant pour moi. Mais Joker, il l'a déjà, Heat Riser. C'est quoi sa compétence? Un tétracarne, macaracarne? Ouais, c'est ça. C'est un tétracarne plus macaracarne en une seule compétence et sur tout le groupe. C'est aimé tétracarne, macaracarne sur tout le groupe. En vrai de vrai... j'ai presque envie de dire, je retire Heat Riser de Haru. Parce que de toute manière, Heat Riser, je l'ai déjà sur Joker. En vrai, j'ai presque envie de dire, Haru, je préfère passer des temps à DPS avec elle et avoir une option défensive hyper forte en cas de besoin que perdre du temps à buff.
En vrai de vrai, je peux retirer Hitraiser. Non, parce qu'en fait, le truc bien de triple action, c'est quand il y a certains. En fait, ça permet d'AOE, quoi. Sinon, Haru, elle a que des attaques en mono-cible et c'est chiant, en fait, d'avoir que du mono-cible. C'est la seule AOE qui lui reste, donc je préfère lui laisser une AOE. Des buffs en AOE sont mieux, je pense. Ouais, c'est ça. Ou à la rigueur, tu vois, c'est boost un allié. Tu vois, je préfère buff mettre Hitraiser avec Joker, tu vois. Joker, c'est pas le plus gros DPS que j'ai, tu vois, à la rigueur. Je préfère caser des Hitraiser avec Joker et attaquer avec Anne et Haru que l'inverse, que faire des Hitraiser avec Haru sur Joker, tu vois. Ou attaquer avec Joker et perdre un tour de Haru pour ce Hitraiser, tu vois. Ça fait gagner un temps fou les multibuffs. Oui, voilà, c'est ça. Toi, quitte à Hitraiser, autant que j'ai Hitraiser avec Joker et que je tape ensuite avec Haru ou Anne, tu vois. Je préfère faire ça. Ouais, donc en vrai. C'est pas vital d'avoir Hitraiser sur Haru. Enfin, en tout cas, selon moi. C'est fort, c'est hyper fort Hitraiser, mais c'est pas sur le bon perso par rapport à la strat que j'ai en tête. Enfin, par rapport à comment j'organise ma strat. Mur de vie est vital. Ah ouais, non, par contre, avoir Tetracarne et Macaracarne dans une seule compétence et sur le groupe entier, c'est turbo broken. Hein. We're gonna build the wall. Mais c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu ça. C'est le mur de défense ultime. En vrai, pourquoi t'as besoin? À quoi ça sert ce buff si de toute manière tu prends aucun coup? Alors on va. Je vous jure, j'y ai jamais y arrivé. Hein. Hop. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? En vrai, je serais bien partant pour un petit club de jazz, moi. Histoire d'augmenter des stats. T'inquiète, je suis devenu riche depuis que tu m'as escroqué 100 000 yens. Ouvrez votre âme grâce au cocktail et laissez-vous emporter au niveau suivant. Donc c'est une augmentation des points de compétence et en plus... J'ai invité quelqu'un. Plus de points de compétence et un level en plus. En vrai, elle a pas énormément de points de compétence, mais j'utilise beaucoup ses compétences de lumière qui sont très utiles. Ou Anne. Ah, je sais pas trop qui mettre là. Ouais, Soumi, ça peut être bien. En vrai, Soumi, ça peut être bien. Parce que Soumi, elle a pas mal de compétences qui utilisent ses SP. En fait, elle a vu qu'il y a pas mal d'ennemis qui créent de la lumière dans le palace. C'est vrai que ses SP ils partent assez vite, donc un truc qui augmente un peu ses SP, ça peut pas faire de mal. Ouais, vas-y. Puis en plus, on y est jamais allé avec Soumi. Allez, hop. Il faut donner l'accessoire de Haru à Soumire. C'était quoi déjà son accessoire à Haru? Et puis c'est vrai qu'en plus, je mets plus Soumire que Haru en ce moment, donc. Il y a un buff des skills de lumière dessus. Ah, je m'en souvenais plus. Ah bah oui, oh, oui, autant mettre ça à Soumi, en effet. Ah, en plus, il y a Lynn qui chante aujourd'hui. Ce cocktail.
Hop, un petit level up parce que ça fait jamais de mal. 20 points de compétence en plus, ah ouais, c'est fort. Hop, et next time je peux la level up. Bah voilà. Comme ça, tout bénef. Et ouais, tiens, je vais revoir pour les équipements, ouais. Avec tout le... Maintenant que j'ai tout le groupe, ça peut être pas mal. Mais il n'y a plus de livres. J'ai lu tous les livres du jeu quasiment. Bon, avantage. Ah, salut Fumi, comment vas-tu? C'est le jeu qui te rappelle. Hey, tu sais que t'es pas en train d'attendre une métanoïa là. Hein, c'est le jeu. Eh oh, t'as une mission, tu sais. Non, pas encore, si t'as un joli trophée, putain, merde. Ah non, il y a les livres de compétences. En fait, c'est qu'il y a les livres de compétences, mais ça sert à rien de les lire vu que j'ai toutes mes compétences à fond. C'est juste qu'en fait, voilà tous les livres qui me restent. Il n'y a pas un nouveau livre sur Sumeru Akichi, du coup, il y a des chances. Ah bah quand on parle d'elle. On fout tabasse, c'est bon. Ok, Ryuji est pas dispo aujourd'hui. Bon bah on va dire que en soi ça tombe bien. Par contre Yusuke ça va être difficile. Hein. Bon je vais continuer comme ça jusqu'à être environ on va dire à 7 jours avant la fin. Et ensuite on refera un point à ce moment-là. Où est-ce que j'en serai à ce moment-là? Le pauvre Yusuke. Ouais mais il est pas là aujourd'hui donc... Ouais j'ai raté quoi depuis le Fire the Awakening de Makoto? Attends j'ai fait quoi depuis le Fire the Awakening de Makoto? J'ai fait le Fire the Awakening de Haru. Ouais voilà. Haru avec le Makarakarn Tétracarn monumental. Ah ouais tiens d'ailleurs attends je suis pas allé voir sur l'histoire de sa persona. Je suis pas allé voir. Du coup, Haru. La comtesse de Carcil qui a inspiré Alexandre Dumas le personnage de femme fatale de Milady de Winter. Cette femme, célèbre pour sa beauté et sa ruse, était une courtisane et favorite de la reine. Ah d'accord. Putain c'est cool ça. Putain sa persona c'est la femme qui a inspiré Milady. C'est génial. C'est cool! Ah non, l'idée est géniale! Et c'est toujours Of Death? Ah ouais, toujours Of Death, ouais. Ok. Ok. Bon, alors aujourd'hui on a Sumire. Les légumes sont pas encore prêts. Ouais, tu vois, il y a Yusuke, il est toujours pas là aujourd'hui. Donc à un moment. Eh bro, c'est pas que je veux pas, mais si t'es jamais là aussi. Yusuke il boude, mais c'est ça. Mais même lorsque je veux augmenter son SL Allez hop. What the... C'est artistique. Toujours pas d'ouverture par le hub. Ben non, Yusuke il se montre jamais. Il est jamais là. Tu dois empêcher de faire une collab avec son maître. Évidemment, il boude. Ça va être ça.
Ah désolé, je dois le faire. Ça c'est vraiment, c'est littéralement, c'est le Joker, il arrive. Ah désolé, je dois le faire. Je dois le faire. Ça c'est littéralement, c'est il ouvre la porte. Et il referme tout doucement. Bon, ok, alors je m'en vais, j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je vais faire comme si je la connaissais pas. C'est Ouais, mais je sais pas si il te fixe pour les bonnes raisons en fait. Tu t'es regardé dans une glace ou pas? Regarde-toi dans une glace s'il te plaît. Non 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 non, en fait je me demande si je suis pas certain que tu te sois vu toi-même en fait. Trop de motifs. Ah ouais non mais là il y a du zèbre, il y a du pan, il y a du zèbre, il y a du léopard, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du gris, il y a même du jaune tirant un peu vers le marron, du jaune pétant, il y a du rose, trop de couleurs. Ah non, léopard pardon, qu'est-ce que je dis? C'est léopard, j'ai dû dire guépard pardon. Cordula l'aurait incendié. Oh là là, c'est trop. Et alors le plus drôle, c'est que dans son modèle 3D, l'écharpe a l'air d'être rose. Mais sur son sprite, l'écharpe est violette. Une couleur en plus. Ouais, ouais, autre chose. Ouais, mieux. Voilà. Notez que ses couleurs dominantes sont le noir et le rouge, exactement comme Joker. Je suis là pour toi. Eh, j'étais là pour toi pour les lunettes. Alors on va faire pareil pour les vêtements et puis voilà. Les chaussettes vertes aussi. Ah, j'avais même pas vu les chaussettes. Oui, on me demande. Je sais pas, tu... C'est toi qui a commencé. Oh boy, la Wifuro est en train de se dessiner. Mais c'était pour toi, Soumire, c'est juste que tu te perçois. C'est comment tu te perçois qui a changé. Oui, c'est ça. Oh boy. Ah ouais, non, la Wifuro, elle commence là. Ah bah mieux. Voilà, c'est là où là voilà, là voilà, c'est simple, c'est épuré, c'est sobre, voilà, parfait. Voilà, c'est là c'est bien. Voilà. Ah mais putain, mais le pire c'est que tu peux sauter la tête la première dedans hein. Oh la vache. Non parce que alors déjà le truc du mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est toi qui a commencé. Déjà tu peux avoir une situation comme ça, mais là tu peux sauter la tête la première quoi. C'est... Oh la vache. Hey, regarde Soumire, elle est mignonne hein. Hein. Non par contre pour de vrai, oui voilà, là ça te va bien. Voilà. C'est bon, t'as trouvé une réponse? Pouah la vache! Vu qu'ils savent que t'as pas beaucoup de temps pour la Waifu Road, tu sais, ils mettent la nitro quoi, y a pas le temps à perdre quoi.
Je vois. Par contre, tu sais que j'ai déjà une copine, hein. Mais c'est comme ça qu'il faudrait. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. De guerre, Persona 5 loyal. Par... quoi? Non, rien. Allez, on avance, on avance. Moi, ma question est, est-ce qu'elle a un Second Awakening? Il y a des chances, mais bon, je veux le voir. Et est-ce qu'elle a un Third Awakening? Le mec, il a même pas... Est-ce qu'elle va battre Haru aussi dans la catégorie des plus durs à rejeter? Ouais, j'avoue que ça va être compliqué. Quoi que tu me dises, moi, personnellement, je mettrais bien Futaba avec, hein. Vraiment. Quoique, Futaba, c'est pas aussi drama, donc en fait, non, non, non. En fait, Futaba, c'est plus sur le plan affectif que c'est difficile. Parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de signes qui... C'est un peu comme Haru, c'est qu'il y a beaucoup de signes qui te montrent que... Elle te voit plus que comme un ami. Mais ça passe un peu mieux. Il y a moins de drama autour. Futaba, le premier, la friend zone. Putain, pourtant, j'imaginerais pas. Hein. La boutique d'Airsoft. J'ai un gilet pare-balles. Merde. Futaba le prend bien. Mais tu vois, franchement, Futaba, j'aurais pas imaginé qu'elle le prenne bien. Enfin, pour le coup, ok. Ça m'étonne, mais bon, ok. Anne a un peu de mal, je crois. Ouais, Anne, ça lui fait un peu de mal, ouais. Anne, bah du coup, vu que je le fais, oui. Et Makoto, ouais, sans tape total. Ok, ça me demande de hop. Ah, il y a les mots croisés ce soir. Bon. Voilà. Alors, les mots croisés du jeu. Infiltration digitale. Alors, attendez, j'ai une idée. Imaginez dans la version Hero de la Bezza plus âgée décide de mettre Joker en couple avec elle. Oh boy. Yoshi. Naruhodo. Pada pada pada. Bon alors, bon Naoya. J'ai plus de souvenirs, on est allé voir, si on est allé voir Chihaya aujourd'hui, hein. On est allé la voir aujourd'hui Chihaya. Je crois que oui, ok. Bon, level up Oya. Allez, on va aller se bourrer la gueule avec Oya. De toute façon, ce manière n'était pas faite si Ushimaru nous frappe toujours à coup de craie. C'est pas faux. Allez.
Ouf. Oh, c'est bon pour des mineurs. Ah bah sympa, Oya. Bon bah du coup, je sais que les soirées où tu seras dispo, je pourrais cordialement t'envoyer te faire voir. Sais, si tu veux pas mon avis, Oya, je vais arrêter de passer du temps avec toi, hein, comme ça c'est fait. Voilà, et si tu démissionnais au lieu de nous faire chier? Ouais. Non, parce que là, littéralement, l'épisode de Social Link, c'est dès qu'elle dit un truc, c'est je t'ai pas demandé ton avis, et dès qu'elle parle d'un truc et que tu lui demandes, c'est ça te regarde pas. Wouhou! Gros Social Link! Tu dis quoi, j'entends mal à cause de l'alcool, c'est ça. Ok, je sais que je suis qu'au rang 3, mais bon, si au rang 3 on commence déjà pas à te donner un intérêt pour le perso, c'est genre dès que t'essaies de dire quoi que ce soit, elle t'envoie chier, donc qu'est-ce que tu vas avoir envie de t'intéresser à ce perso en fait? Tu m'étonnes qu'elle soit au fin fond de toutes les tier listes en fait. Tu m'étonnes. Parce que ça donne pas envie, hein. Non mais je suis nul en baseball. Bon, alors qu'est-ce que je peux bien faire? Bon, on va pour fabriquer les outils, voir ce que s'il peut être encore utile. Je vais avoir ça pour faire Turbo Moula. C'est quoi? On en a jamais assez. Let's go. C'est bien, t'as rien à faire, c'est ça? Hop. Oh putain. Eh bah tiens, même si ça sert à rien. Parce que je sais pas quoi faire. Ouais, je sais pas, pff, la flemme. J'ai une flemme totale. Ah putain. On est le combien?
On est le 20. Elle avait dit que c'était quand Haru. Putain, mais y'a pas Ryuji non plus. Oh, Sumire, dis-moi que t'es. Mais y'a personne! Oh non, ça c'est la merde! Oh non, la journée de perdu! Eh, je vous jure, je vais aller dans Mementos aujourd'hui en fait. Ça va finir dans le Mementos. Dites, allez dans le Mementos, c'est juste une étape pour. Mementos pour les requêtes. Bah, surtout pour avancer dans le scénar en fait, parce que pour le scénar, faut que j'aille dans Mementos en fait. Donc, je vais voir un peu si ça compte là. Ok. Ouais, bah ça va finir en Mementos hein, cette histoire. Ah, mais non, merde, putain, c'est là qu'il pleut donc Arwa sera pas là. Les carottes sont. Enfin, les carottes, les tomates sont pas faites de toute manière. Ouais, bah je pense que ça va aller en Leblanc. Enfin, en. Ça va finir en Mementos cette histoire. Mais si je lance Mementos maintenant, ça lance pas l'infiltration ultime du palace de Marukia, on est d'accord. Enfin, ça. On va dire, c'est pas la mission qu'il faut pour le timer, hein. On est d'accord. Parce que c'est pour ça que je voulais pas y aller tout de suite en fait. C'est juste une étape. Bon, de toute manière, je peux réunir tout le monde à la planque. Non, c'est une étape juste. Bon bah à ce compte là, on va faire ça alors. Aïe. Pourquoi ça m'étonne à peine de voir Sumi en train de manger? Genre c'est vente sur patte à ce point, c'est genre pendant qu'on attend, elle se tape le meilleur curry de sa vie. Ah oui, par contre là c'est terrible. C'est littéralement on doit le sauver de lui-même. Putain. Ok, alors on va s'habiller comment aujourd'hui? En vrai, il y a un battle theme que j'ai pas entendu depuis trop longtemps. Si Sumire a pas la tenue de Minako, c'est criminel. Bah alors un uniforme féminin de Gekukan quand même, de toute manière. Puis Futaba, elle sait de quoi elle parle. Allez.
C'est ça, hein, faut y aller comme ça. Attendez, donc, attendez, je vais organiser une réunion avant. Attendez. Vous avez une maroquise, il faut qu'on aille dans mes méthos, hein. Entrer dans le memento, ouais, c'est ça. S-Max, carrément, ouais. Ça va être la bagarre. Là, ça va être la grosse bagarre. Alors, du coup, memento, c'est ce que tu as changé ou t'es toujours pareil? Non, toujours pas presque. Ouh, le temps de chargement. C'est quoi ces câbles? Ça doit être Cthulhu. Ah ouais, carrément. Morgana and Shin. Ah, Morgana. Morgana, ce frimeur. Morgana qui essaie de flex. Bonjour Hugo. C'est l'influence de Maruki, ouais. Bon. Alors. Oh, on peut pas changer la tenue de Soumire. Ah bah oui, c'est vrai que faut... c'est des DLC à part, Soumire. Bon bah tant pis, Soumire, tu seras la seule hors qu'on... Tu seras la seule... Mis à part. Pourquoi on est que 3 dans le groupe? C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai plus Anne? Hop. Le paywall. Tu en es à où? Ben j'en suis en fait à devoir enquêter dans mes mentos en gros. Voilà, tout le monde est libre. Je suis retourné une deuxième fois dans le palais de Maruki. Où j'ai trouvé une sorte de salle de contrôle qui justement indiquait qu'il faisait des trucs dans le Mementos et du coup je devais aller dans le Mementos. Voilà. Bon, c'est à moi, j'en suis là. J'en suis, je pense, encore au début de tout ça. Enfin, au début de tout ce bordel. Bon, alors, vu l'ensemble de Mementos. Oh putain, c'est flippant. Alors, ouais, mais pas comme. Putain, elles sont où mes cibles? Attends, mais comment je fais pour savoir où est ma cible? Alors, vu que c'est censé être au plus profond, je dirais là. Un mois in game. Attends, mais les cibles elles sont où? Attendez, on va remonter. Normalement c'est indiqué. Eh mais normalement ils me le disent où est-ce qu'elles sont mes cibles. Genre il me semble qu'elles sont un peu plus bas, il me semble qu'elles sont un peu plus haut. Attends, juste je vais faire un saut là, voir si on me dit quelque chose. Ouais, c'est peut-être. Ils sont sûrement tout au fond, ouais. Ouais, bah ils doivent être sûrement tout au fond. On retourne au fond et avance. Ouais, non, t'as raison, je pense que c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça.
Ah ouais. J'aurais peut-être dû faire la sauvegarde du je veux pas tout me retaper. Ouais. Mais je n'ai pas de sauvegarde pour pas tout me retaper. Ah, attendez. Parce que en vrai de vrai. Attendez. Pour de vrai. Parce que je viens de me taper presque 3 heures de social link, tout ça, sans avoir pu sauvegarder. Enfin, sans avoir sauvegardé tout court. Hop là. Voilà. Juste la sauvegarde du j'ai pas envie de tout me retaper. Voilà. C'est la critique traîne maroquine malade qui va trop loin. Oui, oui. Je n'ai que oui à dire. Bon alors. Par contre, toutes les cellules sont vides. Ok. Oh boy! Ce thème musical. Ça y est, tu vas enfin servir à quelque chose du coup? À part avoir des trucs, donner des trucs broken? Non mais le thème musical. Tu sais c'est genre c'est, ça j'adore, c'est quand tu prends des trucs à peu près habituels mais que tu les changes un petit peu pour les rendre du coup assez perturbants. Parce que tu reconnais le thème de Mementos mais c'est pas le même. Mais c'est le même. Je suis pas sûr d'avoir envie de continuer en fait. Les fleurs sont différentes, ouais. Ah, il n'y a pas de porte. Ah, voilà, là on va pouvoir faire le nettoyer des vêtements. Et toi, t'as bougé comme coffre. Ah non. Mais vous savez que la manière dont ça apparaît sur la carte... Attendez.
Ah non merde, on peut pas voir la carte. Si, la... ah merde, on peut pas le voir. Mais la manière dont le machin il est apparu sur la carte. Merde, non, je voulais pas. Je voulais pas me TP. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ça va, c'est pas grave. Merde. Ah, du coup, j'étais dos à ça, ok. Mais alors, du coup, ce que je voulais dire, c'est que la manière dont le machin il est apparu sur la carte. Vous savez à quoi ça me fait penser? À un parasite. Tu sais, un parasite qui se serait agrippé sur le Mementos et qui l'exploiterait. Bon, ça va, on va pouvoir se permettre de pas avoir tant de niaiser. Ah, et puis les shadows sont dégueulasses aussi. Ah si, il y a des portes à ouvrir quand même. Ok. Bon, au moins ça va, on peut abuser de la compétence de Ryuji. Par contre, on me parle toujours pas de mes cibles. Hein. Putain, j'ai un peu du mal à comprendre comment j'ai pu esquiver cela. Hop. Tu isekaises les shadows en fait. Putain, j'avoue. Putain, j'avoue, je suis Trucken. Oui, parce qu'en fait, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'avoir. Hop. Et du coup là tu remontes Mementos. Oh putain. Putain, on est juste à côté du quai quoi. Genre si je veux atteindre l'étage suivant, ça va se faire en 2-2. Ah. En fait, le Mementos dégueulasse et rouge, il me manque là. Haru, elle aime bien les armes des autres. C'est vrai. C'est vrai qu'elle voulait déjà l'arme de Han. Bon. C'est juste pour récupérer des fleurs, des trésors, tout ça. Ouais, bon, en fait, ça servait à rien que je jette Lilith et Moloch. Attends, il y a deux quais. Ah non, c'était pas un quai, c'était un tampon. Bon, hop.
Ah merde, j'ai cru que c'était le quai. Autant pour moi, je suis aveugle. Putain, mais il y en a partout. Par contre, mes cibles, elles n'existent plus. Hein. C'est peut-être parce que je suis dans Mementos en même temps qu'un truc du scénar et du coup, ils priorisent le scénar aux cibles, peut-être. Ah non! Ah non, 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 les cibles sont bien dans ces étages-là, du coup. Ok. Bon, bon, moi, comme ça, au moins, on en a la confirmation. Cible à éliminer avant. Bah merde. Ah non. Ok. Voilà. Let's go. Est-ce que t'as maxé le bonus d'espérance de José? Non, il est à 0 parce que je voulais pas m'over XP. Parce que sinon le jeu serait trop simple, il y a déjà beaucoup, tellement d'ajouts qui rendent le jeu turbo broken. Donc si en plus je me rajoute ça, le bonus XP, je serais déjà level 99 en fait. Et le jeu, je vais déjà assez rouler dessus comme ça. Ah merde. Chotto. Oh. Ok. C'est pas sans raison, mais malheureusement ce qu'elle compte faire est grave. Mais je vois. Là pour le coup, c'est même pas on l'arrête, c'est il faut l'aider. C'est au-delà de l'arrêter, c'est on doit la sauver en fait. Là c'est on a deux cibles qu'on doit sauver d'elles-mêmes. Hein. Sauf qu'il y en a un qui en a conscience, l'autre non. C'est pour ça que Maruki est là. Ouais, malheureusement. Putain, je crois que ces trucs-là, ça rejette tout ce qui est physique. Hein. Putain de merde. Oh, au combat. J'aimerais pas prendre un coup de route, ce truc. Hein. Où est-ce qu'il est, là. Oh, putain. Ah ouais, tu lui lâches du macaracarne, quoi. Parce que si mes souvenirs sont bons, ce truc-là, il reflète tout ce qui est physique, en fait. Bah, c'est quoi? Elle va se faire reflect, c'est pas grave. Parce qu'elle bloque, voilà. Et alors, je vais essayer de le faire, mais il me semble aussi que elle absorbe le feu. Mais vu qu'elle est full life, c'est pas grave.
Ah non, elle le bloque. Elle ne l'absorbe pas, elle le bloque. Et il me semble justement que c'est la lumière qu'elle craint. Voilà. Ça bouffe un max de SP. Et c'est par contre c'est uniquement le focus magique, hein, c'est ça? Non, c'est même le focus physique. Attends, je l'aurai là. Non, je vois pas le buff. Merde. Est-ce que je peux voir mes buffs quelque part? Indice. Ah, attends, j'ai un méga doute. C'est uniquement magique, hein, le truc de Han. Hein. C'est qu'un focus magique. Si j'ai bien compris. En tout cas, s'il n'est pas exclusivement magique, il buff la magie. Ça, c'est sûr. Mais il me semble que c'est qu'un buff magique. Il faudra que je revérifie, je vais relire la compétence, j'ai un doute. Pas besoin de refocus, pas besoin de refaire une bombe atomique. Oh! Let's go! Let's go finish comme ça. Redirez. C'est drôle, je m'en souvenais pas de comme ça, Persona 3. Voilà, Batman et Joker. Ouais, mais là c'est. C'est drôle, je pense que c'était pas comme ça de P3. Voilà, ça c'est. Voilà, c'est. Elle s'apprêtait à faire quelque chose d'horrible. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait juste besoin d'aide. Genre, elle a pas fait quelque chose de mal pour le mal, c'est juste qu'elle a eu tellement. Il y a tellement de choses mauvaises qui lui sont arrivées dans la vie qu'elle a juste abandonné tout espoir et qu'elle voulait se laisser mourir. Mais se laisser mourir avec sa fille. Sauf que c'est pas quelqu'un de mauvais à la base. Et en soi, elle n'a rien fait de très grave pour le moment. Elle s'apprêtait à le faire, mais elle l'a pas fait totalement. Bon, si, c'est mal de mal s'occuper de sa fille et tout ça, hein, mais on va dire que c'était pas. C'est pas fait avec de mauvaises intentions, c'est juste la volonté d'une personne qui a perdu toute volonté, quoi. Est-ce que toi aussi tu l'as oublié? Alors Shinya, c'est simple. Shinya, voilà. Tu n'as encore rien fait d'impossible à réparer. Voilà, c'est plus ça. Elle n'a encore rien fait qui ne soit irréparable. Voilà. Mais alors Shinya, au-delà d'oublier son existence, c'est que par rapport au jeu Vanilla, je n'avais même pas conscience de son existence. Les premières fois que j'ai vu les... L'anneau de l'enfer. Ah putain, c'est vrai que j'ai oublié de mettre l'anneau de... De Haru à Kazumi, tiens. Ça m'y fait penser. C'est que lorsque j'ai vu les premières tier listes de personnages de P5 sortir, c'était après la sortie de P5R. Le truc c'est que moi quand je voyais Shinya pop, j'étais persuadé que c'était un nouveau perso de Royal. Alors Sumire. Parce que pour moi elle a une augmentation de ça. Mais alors attends, celui d'Haru c'est quoi qu'elle a? Elle a le Koinor R. Voilà. Toutes les slats plus 3, mais surtout augmente les compétences bénies de 50%.
Donc comme ça augmenterait les attaques de lumière de Cendrillon. Bon attends, on va mettre un lambda pour Haru pour un moment. Comme ça tu mets le Connie Or, voilà. En plus qu'elles sont toutes les stats. Parce que ça va mieux à Sumire en effet. Et alors Haru. Ouais. Ah, attendez, par défaut je vais mettre ça. Alors je vais voir s'il n'y a pas de mieux. Tiens, c'est vrai qu'Aru elle a pas d'auto-buff. C'est quoi, l'anneau d'Avarie ça peut être bien, tiens. Vas-y, histoire qu'elle ait le buff d'attaque d'office. Ça peut être pas mal pour Haru, tiens. Hop. Alors attendez, je me permets, je dois faire juste une toute petite pause, juste vite fait. Un petit AFK bio et je reviens tout de suite.